Et bien pour ça, tous ces amis, supporters parisiens, supporters parisiens, supporters strasbourgeois, supporters strasbourgeois, amoureux, amoureux du football, j'espère que vous allez bien, bah, j'espère donc avant de passer en mélanger, on commente, on est tranquille les amis. Qui dit le match de demain, qui dit victoire, qui dit champion ou qui dit match nul, qui dit titre. Pour moi, demain, on doit gagner. Faut pas se mentir. Parce que faut gagner, faut qu'on gagne. Voilà, j'ai envie qu'on gagne demain. Même si on fait partie nulle, j'ai envie qu'on gagne. Bon, si on fait partie nulle, on gagne. On est champion quand même, mais je veux qu'on gagne. On gagne. On termine la saison en beauté. Voilà. La semaine prochaine, c'est la fin du championnat. Bah, dans une semaine, les amis. Ça y est, dans une semaine, ça y est, le championnat, il est quasi, quasi terminé. Voilà. La semaine prochaine, ça y est, le samedi, ça y est, il est fini le championnat. Maintenant, bah, je pense que, voilà, je pense que tous les mecs du Paris Saint-Germain, bah, tous les joueurs et le staff, pas le staff, mais la direction, l'entraîneur et tout, je pense qu'ils vont se focaliser pour la saison prochaine. C'est ça pour moi, c'est ça que je pense. Voilà, c'est logique. Après tout ça, ils vont préparer la saison prochaine et voilà. Tous les ans, on repart sur la même chose. Et voilà, mais maintenant, c'est pas encore le moment. On va pas penser à ça, on va penser demain pour le match du titre. Voilà, je pense qu'on sera champion, mais je pense que le titre, on va le soulever. On aura le titre et tout face à Clermont. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Bah voilà, je pense que on doit améliorer notre relâchement parce que on relâche trop, 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 trop. Le PSG, le problème, le Paris Saint-Germain. Moi je vous dis, c'est quand le PSG gagne 2-0, quand le PSG gagne 2-0, on se dit, allez, on va jouer notre jeu, ça y est, 2-0, c'est plié, c'est pas comme. Voilà. C'est pas comme. Voilà. Tu gagnes 2-0, tu dis ça y est, c'est fini. Mais là, il n'y a plus rien là. Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Tu dis tu gagnes 2-0 et ils te reviennent, ça relance le match et tout, mais c'est ça le problème. Déjà, ça c'est le point négatif, ça c'est le relâchement. La baisse d'intensité, surtout en deuxième mi-temps, voilà, plus de jeu. Défense, cette année très 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 faible. Cette année, tous les buts qu'on soit encaissés, cette année, viennent soit des coups de pied arrêtés, soit soit sur des duels. Voilà, soit sur des duels ou soit sur des fautes. Voilà, cette année, c'était ça la défense. Et la défense cette année, elle n'était pas ouf. Hein. Cette année, Paris, ils ont pas eu la meilleure défense. Hein. Paris, cette année, n'est pas la meilleure défense du championnat. Parce qu'on va me dire, ouais, t'abuses, t'abuses, t'as ci, t'as ça. Mais les amis, moi j'abuse pas. Parce que les Ramos, les je sais pas qui, oh, ça y est. Moi je vous dis, les Ramos et tout, moi c'est pas une question que voilà, il a joué au Real Madrid, que ça y est, ouais, c'est la légende, il a soulevé des trophées. Ça c'est les supporters, les footix qui vont dire ça. Mais moi je m'en fous de Ramos. Kramos. Voilà, moi je m'en fous de lui. Voilà, pour moi, je vous dis, Ramos n'est pas un vrai défenseur, n'est plus un défenseur de patron. Pour moi, on verra. Ça va être quand tout comment le PSG va se changer d'ici cette année. Voilà, on vend Neymar, on vend Messi, ça y est, on est tranquille. Je pense qu'ils vont le faire et ils vont le vendre. Cet été-là, ils n'auront plus le choix. Mes amis, tout le monde a raison, il y a des supporters qui ont raison. Depuis qu'il y a Messi Neymar, depuis qu'il y a Messi, ça y est, on remporte plus de trophées, on remporte plus grand-chose. Et c'est vrai, depuis qu'il y a Messi Neymar, ça y est. En 2007, quand il y avait Mbappé Neymar, parce que Mbappé préfère jouer avec Neymar mieux que Messi. Faut se dire la vérité, parce qu'ils se connaissent. Je sais que Neymar et Messi se connaissent, mais voilà, de jouer eux trois avec eux. Ils se connaissent, mais voilà, c'est pas la même chose. Mais voilà, on va revenir un peu. Qu'est-ce qu'on doit améliorer sur le jeu, sur l'intensité, voilà, sur tes duels, sur tes coups de pied arrêtés. Mais je pense que demain, on va s'améliorer, comme j'ai dit. Et voilà. Maintenant, on passe à la composition. Bah,
La composition, bon. Excusez-moi, je suis fatigué. Cette semaine-là, je suis KO. Mais voilà. On va faire avec et on fait la vidéo et on profite des bons moments, on profite de la vie. C'est important de profiter de la vie. Et voilà, il fait beau. On profite de ces 3 jours-là, le samedi, dimanche et le lundi. Surtout le lundi, c'est le pire jour. Voilà, on s'en fout maintenant, on est sur la vidéo, on se concentre sur la vidéo, on va parler un peu. Maintenant, on passe à composition. Bon, composition, bah, on sait, on va jouer comment? Bon, en soi, je pense qu'on va jouer en 4-3, en 4-3-1-2, je pense. Ouais, je pense qu'on va se jouer en 4-3-1-2. Bon, composition, bah, je me vois un Donnarumma. Je vois un Donnarumma. Ensuite, je vois Hakimi. Hakimi, non, il n'est pas là, Hakimi. Hakimi, il est. Ah, si, il est là, il était là la semaine dernière. Bah, ouais, je vois Hakimi, Marquinhos. Non, pas Marquinhos. Ramos, Pereira. Ensuite. Excusez-moi, les amis, je suis KO, mes yeux là, regardez. Je suis KO. Ensuite, côté gauche, bah, latéral gauche, bah, Juan Bernat. Ensuite, bah, je vois Vitinha. Voilà, Vitinha. Renato Sanchez. Et Verratti. Et pour terminer, bah moi je mets Andy, je pense qu'il va mettre 4 Andy, je pense qu'il va faire il va mettre un Carlos Soler. Voilà, parce que en 3-4-1-2, bah 3-4-1-2, c'est un peu ballot. En 3-4-1-2, bah tu vas mettre, ou soit tu vas jouer en, bah ouais, soit tu vas mettre Ekitike, soit tu vas mettre Messi en 10, c'est logique parce que Messi en 10, il est mieux que Messi en attaquant droit, ça y est, Messi il est fini en attaquant. En attaquant droit, il est fini, mais moi je préfère mettre Messi en 10. C'est mieux que l'attaque. Parce que Messi, ça y est, il apporte plus grand chose en termes d'attaque. En termes en 10, ouais, le passeur et tout. Moi je mettrais Messi en 10. Et pour finir, bah, je mettrais Kylian Mbappé. Moi je pense qu'on va jouer en 4-3-1-2, comme j'ai dit. Maintenant, on parle des absences. Bah, les absences, pas de Marquinhos, pas de Fabian Ruiz. Voilà. Ah bah. Pas de Hugo Ekitike, bah voilà, je pense qu'on va mettre Carlos Soler en 10 et on va faire un Messi et Mbappé. Voilà. Pas d'Ekitike, pas de Nuno Mendes, pas de Neymar, pas de Mukiele. Et pas de Presnel Kimpembe. Et pas de, je sais pas qui le joueur là, il y a un joueur qui est absent, mais voilà. Il y en a 7 absents, c'est trop les amis, parce que. Voilà, on n'a pas le choix. Maintenant, Christophe Galtier, bon, on va lui en vouloir quand même. Qu'est-ce qu'il doit nous améliorer? Bah, c'est logique déjà, c'est plus la communication, de motiver. Pour moi, je pense qu'il doit améliorer plus la motivation d'équipe parce que, quand même, voilà, en termes de relâchement, en termes de communication sur le terrain, en termes de changement, en termes de tactique. Donc, je pense que Galtier, là, il va revoir ses tactiques et il va poser une belle tactique pour demain. Voilà. Bon. Maintenant, on passe au pronostic. Bon, allez, pronostic. Allez. Victoire par Saint-Germain, 2 buts à 1. Bah, moi, je me vois buteur doublé d'Mbappé et buteur Messi. Ou buteur Messi. Ou doublé d'Mbappé et buteur Messi. Ouais, c'est ça que je me vois. Je me vois donc victoire par Saint-Germain, 2-1. Voilà. Et je pense qu'on va gagner demain, victoire Paris Saint-Germain. On l'espère. Paris Saint-Germain, le PSG là doit gagner au moins pour qu'ils soient tranquilles et pour qu'ils soient champions. Et ça y est pour moi. Pour moi, je vous dis quelque chose. Ça y est pour moi. S'ils gagnent demain, ça y est, ils sont champions. Ça y est, maintenant, ils passent à l'année prochaine. Et il faut pas se mentir. Ça y est pour moi. Si j'étais PSG là, je gagne demain. Ça y est, je me focalise pour la saison prochaine. Voilà. Bon bah vos amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Allez Paris. Voilà. Allez Paris.
On se retrouve demain pour le débrief et on espère une victoire parisienne. Et voilà, on espère le titre, on espère la confiance parce que quand même, tu gagnes à Auxerre, tu te dis ouais, normalement, tu as confiance en toi. Je sais que c'est Auxerre et tout, mais voilà, pour le titre, tu dis tu gagnes là, tu as confiance. Donc voilà, on like, on commente et on s'abonne et à demain. Bye.